wabasango kamatango wabasango wazalia wa merci pour la confiance et la fidélité. Oyo Bosala na magazine Nabino Wabasango, premier magazine de formation awa na kati ya République démocratique du Congo. Mbote batata ba mama bilenge partout bisika bozwami na Kisangani Boyoma na Équateur na Bandundu na Maindombe, pourquoi pas na Brazzaville pe awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Totombeli bino ba sobolandi bolam. Toko fungola basango la biso ya mokolo ya lelo bipayi wapi vice-ministre ya intérieur Jean-Claude Molipe Mandongo ayebaki na kosala mobange na tournée na province ya Kasa. Aussitôt arrivé à Chikapa vers 14h, les vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, les professeurs Jean-Claude Molipe Mandongo a été reçu en triomphe par la population de Chikapa, les vice-ministres, les vice-gouverneurs, les autorités militaires, policières et administratives. Ces derniers ont été appelés de passer les troupes en revue. Arrivé dans sa résidence, l'infatigable Jean-Claude Molipe Mandongo a présidé une réunion de sécurité à l'hôtel du gouvernement de Chikapa pour s'enquérir de la situation sécuritaire. C'est le vice-gouverneur Gaston qui avait présenté l'état sécuritaire de la province globalement calme à part les attaques des coupeurs de route. Jean-Claude Molipe Mandongo les a sensibilisés sur les projets des 145 territoires de s'en approprier pour le développement de nos juridictions. Après la réunion provinciale de la sécurité, l'infatigable Jean-Claude Molipe a conféré avec une forte délégation les chefs coutumiers du Kasaï. Ces derniers remercient les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'intérêt qu'il accorde aux chefs coutumiers et à sa population en dépêchant les vice-ministres de l'Intérieur dans leur province. Entre les lignes, les chefs coutumiers ont présenté leurs problèmes à l'autorité en ces mots. Très satisfait par la couverture sécuritaire qu'ils nous apportent. Dimanche 5 juin a été journée chargée pour le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo. Après son culte, les cortèges des numéros 2 de l'Intérieur s'est dirigé vers Kamwecha secteur en affrontement, selon certaines rumeurs et des conflits intercommunautaires du Kasaï et ceux du Grand Bambindou. Arrivé sur place, les warriors du gouvernement Samalou Kondé a reçu plusieurs explications claires, notamment par les responsables de la société égyptienne Arab Contractor qui a décrit la situation et déroulement des événements. Il est donc sans contradiction, aucun conflit n'existe réellement entre les ressortissants du Grand Bandundu et ceux du Kasaï, contrairement aux mauvaises campagnes de diabolisation de certains politiciens en mal de positionnement qui cherchent à tout prix perturber la quiétude de la population de ces coins de la République. En passant par le chef foulier de la province de Kasaï, à Chikapa, je me suis déplacé jusqu'ici. C'est parce qu'il y a des travaux qui sont exécutés dans le cadre de construction de route. La route qui va de Chikapa jusqu'à Kananga, mais plus précisément ici à Kamwecha. Alors, il y avait eu des rumeurs à un moment donné autour de ces projets en ce qui concerne le recrutement. Avant moi, il y avait déjà un groupe de députés nationaux qui étaient venus accompagner de l'autorité provinciale pour vérifier cette information, ces rumeurs. Mais il était avéré qu'on avait trop exagéré. Les réseaux sociaux avaient exagéré, accentué ces rumeurs-là, comme s'il y avait un manque de cohabitation entre la communauté du Kasaï et du Grand Bandundu. Alors que la situation qui avait commencé autour des recrutements de personnel qui devait travailler au sein de la communauté, ce problème avait déjà trouvé solution, qui a été réglé entre la communauté locale
avec les autorités, avec l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, il y a un calme total. Et puis l'exécution de projet, nous avons compris qu'il y avait quelques problèmes autour d'expropriation de certaines maisons, de villages. Et ce problème-là aussi a trouvé solution avec la discussion qui s'est passée avec l'autorité provinciale, les villageois, c'est-à-dire les chefs de village et l'entreprise. J'ai constaté moi-même et j'ai compris qu'il y a vraiment la pacification de cet espace. Il y a l'harmonie, il y a la concorde, il y a la paix qui règne à Kamouéchia. Avant de quitter Kamouéchia, l'envoyé du gouvernement central, Jean-Claude Molupé Mandongo, a communié avec la population de Kamouéchia pour tirer au clair cette affaire de conflit. Voilà. Avant de se rendre à Tshikapa, l'infatigable Jean-Claude Molupé Mandongo a tenu une importante réunion avec les chefs coutumiers du secteur de Kamouéchia abordant la question de leurs conditions de vie pour faire rapport à l'arrière. C'est vers 18h, l'horreur du gouvernement Samalou Kondé a quitté Kamouéchia pour Tshikapa où une délégation des députés provinciaux et des sociétés civiles attendait pour une importante réunion sur l'état de la province. Cette affaire de conflit. Voilà. Avant de se rendre à Tshikapa, l'infatigable Jean-Claude Molupé Mandongo a tenu une importante réunion avec les chefs coutumiers du secteur de Kamouéchia abordant la question de leurs conditions de vie pour faire rapport à l'arrière. C'est vers 18h, l'horreur du gouvernement Samalou Kondé a quitté Kamouéchia pour Tshikapa où une délégation des députés provinciaux et des sociétés civiles attendait pour une importante réunion sur l'état de la province. Très satisfait par la couverture sécuritaire qu'il nous accorde. Rappelons que la mission d'itinérance de Jean-Claude Molupé Mandongo, vice-ministre de l'Intérieur, a été une réussite totale, comme témoignent quelques policiers rencontrés et la population elle-même, pour qu'il accorde tout son dévouement pour une amélioration certaine des conditions de vie selon la vision du chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de boucler sa mission régalienne sur la nationale numéro 1, le vice-ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, avec sa délégation, se sont arrêtés au village Ntouka où se trouve la société chinoise CGTC et commise à la réhabilitation de la nationale numéro 1, tronçon Kikwit-Idiofa, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Arrivé sur place, l'infatigable Jean-Claude Molupé Mandongo a été bien reçu par les responsables chinois et toute leur équipe sur les lieux. Ça n'est suivi de quelques explications claires au vice-ministre avant le début des travaux. Prenez la parole, les représentants chinois a expliqué au vice-ministre de l'Intérieur les raisons qui seraient à la base du retard des travaux. Premièrement, les engins et les manques de carburant. Le vice-ministre de l'Intérieur leur a promis une suite favorable de la part du gouvernement central. Pour la sécurisation de la population du Grand Bandundu, l'envoyé du gouvernement Samalou Kondé, le vice-ministre Jean-Claude Molupé Mandongo, s'est encore arrêté à Massimanimba à la poste de la police nationale congolaise, brigade criminelle, pour s'enquérir du phénomène. Les faux vrais aliénés mentaux qui s'est vu au mois de mai et juin de chaque année. Ici, il trouve
trois aliénés mentaux. Ces derniers ont pris 2 heures du temps pour analyser ce phénomène avant de faire les rapports au gouvernement central. Dans son chemin faisant, les warriors du gouvernement Samalou Kondé, les docteurs Jean-Claude Moulipe Mandongo, voulaient s'assurer si les barrières illégales n'existent plus après son passage. Chose étonnante, voilà une descente à Ndakouya Pembe étale les comportements récidivistes des policiers commis à ces postes. Jean-Claude Moulipe surprend les éléments de PCR et les agents des transports ville de Kinshasa en train de traquer les paisibles citoyens de Félix Tshisekedi. Ici, Moulipe demande l'explication au sergent Makosso. Faute d'avoir pas respecté l'ordre de la hiérarchie, le vice-ministre de l'Intérieur instruit leur arrestation immédiate. À l'entrée de la ville-province de Kinshasa, précisément à Daipen, une barrière érigée illégalement pour rançonner les Congolais en une bande bien organisée. Après quelques minutes d'explications insatisfaisantes et injustifiables du Major Papi, le numéro 2 de la territoriale Moulipe instruit d'enlever cette arnaque sur la nationale numéro 1 à la satisfaction des usagers de la route. Pneus brûlés par la population en signe de remerciement au vice-ministre de l'Intérieur de les avoir délivrés de cette emprise illégale et remercie les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean-Claude Moulipe Mandongo promet de poursuivre sa mission sur toute l'étendue du territoire national pour restaurer l'autorité de l'État où il semble encore négociable. Chef de l'État, ça l'obé sili, tout en tout, bon, on a besoin de comment botter à la papa mater, bon, il est si mangou et cause à malam. Pour ça, dans la ligne, pour ça, moussa la bino, mais malam. Faut pas déranger les gens. On va nous fondre la bino trop. Et puis ça, sonne la moussa la police. Tant que l'État, il faut pas foutre. Pour l'État, à la vivre dans la taxe. Mais à la tracasserie, rappelons que les voyages de Jean-Claude Moulipe a une note satisfaisante sur la nationale numéro 1. Asalaki mobange na descente mokolo ya lobi na district ya Tshango na commune ya Kimbanseke na quartier Mikondo bipayo wapi le capitaine des honorable Ogi Kalonji papa social matembele ya simandako ya bisomoko kaka ndenge bana ya Tshango bakoma kobenga ye ayebaki na kokita na terrain Ngwanza pona kosunga bandeko ya Ngwanza na cable ya snel oyo ba mona ki pasi na mikolele ki pambate baza la kajisusu na lotili kite na karte oyo na yango basala ki demande na bango epaya le capitaine de honorable Ogi Kalonji pona koyeba kusunga bango na kable ya snel na yango ayeba ki na kokita elongo na ekipe na ye na commune ya Kimbanseke na karte Mikondo bipayo wapi ayambama ki epaya ba mama ya Mikondo kaka ndenge bozali komola na bililingi pe ayebaki lisusu koyambama na maboko ya banganga nzambe pe ya ba chef coutumier oyo bazalaki na isika kasi asukaki kaka wana te ayebaki kozwa ba benediction to pe ba mokakoswa epai ya chef mankulu oyo azali moko ya ba chef ya mabele ya Ngwanza na yango honorable Ogi Kalonji ayebaki na kosala remise ya cable epai ya cordon mutombo oyo ezalaki na pointe na kotia ambiance na arrivée ya honorable Ogi Kalonji kasi asukaki kaka wana te boyo kalolenge nini abetaki mbunda na mikro ya wabasango lelo e komite e komite yango de eloko na ye kosala lelo
na mokuse na ye biso tozela kaka ka 2023 te po nenge président lobiawa ba mama bonheur na ba papa bonheur bango bokomona kaka to komi na ba 7e mois 8e mois 9e mois ba bandi ko cha ba bandrole les amis de mais tango nyoso yo peuple azo souffrir bozalaka wapi yango tomoni na terre jaune kuna omoni ba ba élire yo lelo peuple apesi yo voix lelo o sali 2 ans omona na kate 2 ans omona na kate yo zo ya komona kaka soki yo ki fati beto ko ya pona nzela oyo olobi menga mutu na sali sima kambo ndoki soki omoni ndoki sala nini bango wana tozo belela na yebi ke après passage na biso na mikondo okomona mosusu ayepe na kable mais avant kalonjaya yo ozalaki wapi oyokaki mbela to oyokaki yango te bayokaki mais lokola bazalaka mitema soki ndenge nini bamonanaka te bango bazelaka kaka soki kalonjaye nde bango bayekoleka soki baye boyamba mpe bango malamu siko na suka boyebisi bango kalonjiswa tosi bango bakati mango bakeyi toyeba na biso ke bazali kaka bandeke bakoya epi bakimi nayebisa bino eloko ya suka avant ke na remettre kable Fatu Beton atie makadam na terre jaune après plus de 30 ans etikala kozala te kasavu bwaleka baleki ba mobutu ba kabila le père kabila le fils ezelika ka Fatu Beton place wana ezala kizelo oyo fa 4 atie makadam lelo lobi na monika mwa mutuka moko ya se et na ba drapeau moko ya ba opposant ezo sala carnaval po ba ya ko s'opposer la Fatu Beton na lobi o bande bando kite depuis 30 ans est-ce que mutuka boye ko kaki koleka awa lelo ba sali yo opposant obimeli wapi toyeba ke tchangu o ba bandaki koloba na biso kala ke tchangu ezali zone rouge Tchango ezali zone ya ba opposant makambo wana esila. Est-ce que lelo na mikondo bokondi malisusu ke opposant koleka Fatu Beton? Bokondi awi tokopesa kaka longoni na honorable Ogi Kalonji Pambate. Misala oyo ozali kosala na tchango bato nyonso bazali komona tokozela kaka te. Ba oyo babelelaka toujours kombo ya chef de l'état akita na terre po ayeba na koya kotala lolenge nini population ezali kovivre. Kasi na volonté na yo pe bolingo na yo epai ya ba électeur na oyo ya tchango continue kaka na oyo ozali kosala Pambate. Ba kozala toujours reconnaissant envers yo 2023 oyo match ezaki toko pona yo na ngambu ya tchango biso tolobi kaka na bolingo na ye azalaka na yango toujours pene pene ya ba électeur na ye yende nani le capitaine ya ba député honorable Ogi Kalonji asalaki mobange na descente na district ya Tchango na commune Nsele précisément na terre jaune bipai wapi akendeki kotala misala ya nzela ya terre jaune lolenge nini ezali kokende nzela oyo kaka ndenge bozali komona misala nango eutaki kobanda na ane oyo leki kasi yango oyo lelo ekomi deja vers la fin honorable Ogi Kalonji azali toujours liso likolo ya liso ya kotala lolenge nini misala ya nzela oyo ezali kokende abetaki makolo inde elongo na bamama pe bandeko misusu oyo bayebaki ko akompanye ye pona kokende kotala lolenge nini misala ya nzela oyo ezali kosalema kaka na kotala misala ya nzela azwaki lisusu visite ya mwana mboka Jacob ya oyo azali
Initiateur ya vision Fatih aya kipe kutala lolenge nini mwana mboka le capitaine ya ba député akitaki na terrain pona kutala kaka lolenge misala ya nzela oyo ezali kokende nde ayebaki kolobela na miko ya wabasango ezali esengo makasi tozwaki bitumba mingi tozwaki ba mafinga nyoso wana lelo misala esili. Et c'est mingi peuple ya terre jaune bazwa lokumu na kumisi bango parce que bango basala kimbiso confiance lelo résultat bozo mona yango ya mibale lokumu ezonga e pa mokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi soki ye andimela kabiso te acha kabiso po atembele lelo misala esalemite bande komisusu balobaki donc kalonjo yo azo beta likolo te ezaka kakoyeba place na yo koyeba pourquoi tozali élu kobosa na bambeto na biso donc kola mukananga na 6h koyaka terre jaune kolongwa 20h 21h lelo e futi nazape na mbeto ya kolala natika ka yango natika ka famille donc résultat yango yo lokumu ezonge pa na bango ngai naza serviteur na ko continuer ko servir bango. Boyende zalaka kota la honorable Ogi Kalonji papa terre jaune aboya na ye climatisé ya bureau akoma tout le temps na terrain pona kota la lolenge nini ba électeur na ye pe misala oyo azali kolandela azali toujours liso likolo ya liso nenge nini ezali kokende kasi kaka ndenge bozali kumona na bililingi awa na bozongi ya papa terre jaune ba mama ya terre jaune balobi papa terre jaune okole kabongote ba bongiselela ki surprise munene bozali komona awa biloko ya ndenge na ndenge nguba makemba pesa ni mobimba ya pondu oyo bayebaki na kopesa na honorable Ogi Kalonji kaka ndenge bozali komona awa ezalaki ye esengo na motema pe pasi kotala ba mama oyo ndenge bayeba koporte ye na motema pamba te misala oyo azali kosala ezali komona na honorable Ogi Kalonji yo vuma na 2023 oyo baloba erataka te pamba te terre jaune bapona nde yo. Le président Amissi Makutano Adolphe asalaki mobange na matinée politique na siège national ya parti Union pour la démocratie et progrès social IDPS na mukuse bandeko ba bolingo esengeli bo simba ete na matinée oyo ezalaki opesi mbwa mukuwa kasi mbwa aboyi kulia asweyo moko pamba te. Le président Amis Makutano a lancé une nouvelle campagne ya Fati, The Best of the Best, Oyo Eyebaki Nakuzala lancé Mokolo ya dimanche, Asuka Kika Kawanate, Pe Ayebisaki Bajan Nyoso, Ya République démocratique du Congo, Pe ya IDPS Namukuse, Bayeba, Nakomuye Mayo Nabango, Po Nakoyeba Kope Salisusu, Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, deuxième mandat, Nayango, Suka kikaka wana te bazwaki mobange na surprise ya visite ya le CG Augustin Kabuya mwana bute ayaki ko visiter bango na matiné oyo kasi apesaki félicitation na jeunesse ya IDPS pe na président Amis Makutano kasi boyo kalolenge nini babeta kimbonda na micro ya wabasango. Fati le best of the best, Fati le meilleur de meilleur 2023. Est-ce que vous êtes allé? Fati Azawana ti volonté la biso et kokoka. Mais Sengeli tolamba biloko ango bien parce que nous allons annoncer à la face du monde parole na biso tokoloba vis-à-vis na ba congolais, vis-à-vis na ba jeunes, vis-à-vis na biso moko ba combattant parce que candidat tozana ye aza ko pese makasi. C'est pourquoi tokosala makambo na ndenge ya kolembisa te, tokosala makambo na ndenge ezala di kilo du lourd pour que jeunesse ya IDPS bayeba ke ebele kutu pete eza koyete. IDPS est viva, IDPS est viva. C'est pourquoi avant mitingi na biso
Toko réfléchir, toko sa la retraite. Après retraite nabiso, toko rendre ma résolution publique. Nalobaki, nakoya même pour quelques minutes to solola. Il était prévu que naya awa na 15 ans. Mais au même moment, la Bengi Sakinga n'est pas mon cousin Nabiso Nyonso. Au conseil à l'Ikolo, il fallait na solo la penaille. Comme on a dit, banda, période roi Yaki, Tuzaki Nabiso, en l'air, poto réservé à Kei Moko, digne de son rang, et pas au conseil. Nabiso Yamboka Belgique, Wayaki na Rennes et Longopo, Bata la Biso, Bata la Bandeko et Lubumbashi, Bata la Bandeko à Bukavu, Bauto Salalé retour Bukavu, Lubumbashi, Bauto Kitana Lubumbashi Siko. Yaliboso, Nako remercie Bino, Nandenge Bo Reservaki, Akei, Oyemoko Yamalamu, Kona, Roi Nabiso ya Belgique, Oumbete na Maboko, puisque vous répondez à qui na appel au Tolansak. Mais na koeb sabine lokomoko, ceux qui bolingo et sanakati na bisote, et lokomoko à Malonga et Kozalati. Ah oui! Boyende zalaka toko pesa kaka longonia na président Amis Makutano pambate a initiative ya boyende ezali ko la musa parti ezali pe ko tele misaba jeune baye bana ko tele mapona ko muye mayoka kandenge olubaki pona ko pesa lisusu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat biso tolobi kaka. Tosuki si na magazine wabasango ya mukola lelo. Merci na bino nyonso bozalaki ebele liboso ya ba télévision na bino pona kolanda biso pourquoi pas na Percy Bokako depuis commune ya Lemba molandi monene ya magazine wabasango pourquoi pas na grâce ya mabilu famille mabilu mobimba Berveli et ya le Bokongo papa na Believe tupesi bino bambote tokute na bino na mikoleko ya soki kolo Yesu azongite. Wabasango kamatango. Wabasango zaliyo.